Salut les filles, c'est Rafaf de Rafaf et Marwa et aujourd'hui je partage avec vous mes petits secrets beauté. Alors la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est le fait de me démaquiller. Alors je prends mon eau micellaire et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Et vous allez me dire pourquoi tu te démaquilles, tu viens de te réveiller, etc. Alors c'est simple, le soir notre peau elle dégage du sébum. Alors il faut enlever cet excès pour préparer la peau à être maquillée. Donc voilà, je me démaquille comme ceci, rien de spécial. Ensuite, je vais appliquer ma crème anti-âge. Je vois vos questions arriver. Pourquoi une crème anti-âge alors qu'on n'a que 24 ans? Ben, c'est l'âge pour commencer à utiliser votre crème anti-âge. Il ne faut pas attendre d'avoir 35-40 ans et pour commencer à traiter ces rides. Il faut être dans la prévention et l'utiliser bien avant. Donc ma crème est teintée. Donc ça me permet de zapper l'étape du fond de teint, chose qui m'arrange, la grande flémante que je suis. Je l'applique comme ceci. Je l'applique aussi sur le contour de l'œil puisque je ne vais pas mettre d'anti-cerne. Alors ensuite, il ne faut vraiment pas oublier sa crème solaire. Pourquoi? Parce que même si, si ce n'est pas l'été, on vit dans un pays où il fait beau la majorité du temps. Donc il faut s'assurer que notre peau est bien protégée. Il faut veiller à appliquer son écran en couche épaisse et le faire chaque 2 heures. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes au bureau par exemple, il y a les rayons de votre ordinateur, etc. Et il faut s'assurer vraiment que votre peau est bien protégée. Et je passe au maquillage. La partie fun. Alors, je prends ma poudre pour avoir un petit effet matifié. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Mais je vais quand même mettre un peu plus le focus sur mes cernes parce que comme vous voyez, j'en ai assez. Mon mascara. Bon, le but du mascara c'est vraiment d'avoir un regard un peu plus éveillé, surtout quand on n'a pas trop dormi le soir d'avant. Et je fais attention pour ne pas tacher nos paupières. Ensuite je passe au blush. Je prends mon pinceau, je l'applique, je souris légèrement. Après j'applique mon rouge à lèvres. Et j'ai une petite astuce pour celles qui ont les lèvres gercées. Alors vous prenez un peu de miel et vous le mélangez avec du sucre granulé. Vous les mélangez et vous gommez vos lèvres avec. Vos lèvres sont instantanément plus douces et prêtes à être maquillées. Alors si vous me suivez, vous savez déjà que j'adore les rouges à lèvres mates. Et Adan, il en fait partie. Donc voilà, je suis prête à attaquer une nouvelle journée. Je vais juste arranger mes cheveux un tout petit peu. J'espère que mes petits secrets beauté vous auront plu et que vous n'hésiterez pas à les essayer. Et je vous dis à très bientôt.